Bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir pour qui sort fait et qui vit puis rentrer la caillou. Et nous connaissons depuis qui sort fait et qui vit puis rentrer la caillou quand même, nous avons gagné l'autre monde avec nous. Eh bien, je dis, nous sommes contents de recevoir un grand personnage avec nous. Nous avons présenté avec un grand, grand cœur content. Bonsoir, monsieur Valérie, comment nous Bonsoir David, donc bon. c'est un plaisir pour que nous capables vraiment ensemble avec vous après-midi, l'équipe qui sort fait là et l'équipe qui vit bien. Et dans le cadre en fait de choses ça, je pense que nous pouvons passer un bon moment, nous pouvons parler touristes et puis et tout ça qui a fait destination nous a bougé. Alors, moi, je dis Valérie. Est-ce qu'on est capable de présenter le public là? Qui est-ce qui est Valérie? Alors moi-même c'est Valérie Tassi, alors nous-mêmes c'est directeur exécutif au GDNH. Donc, nous avons travaillé dans ce que ça depuis quasiment 3 ans. Et donc, ça fait déjà un bon moment que nous avons goumé avec le secteur touristique là, pour que nous, qui sommes capables de présenter une offre touristique de manière standard et dans la destination nord là, avec tout acteur, bien entendu. Donc, c'est en quelque sorte ça une cabale comme présentation, sans que nous n'ayons pas besoin d'entrer dans notre domaine. Alors, félicitations parce que nous sommes censés un directeur qui a bougé dans le secteur touristique là. Et en réalité, on dit que vous êtes directeur OGDNH et historique Haïti, right? Alors, il y a une grande différence entre OGDNH et Historique Haïti. Alors, je suis bien content que question ça, parce que c'est toujours un problème à chaque fois que nous confondons OGDNH ensemble avec Historique Haïti. Donc, OGDNH, c'est l'organisation de gestion de la destination Nord d'Haïti. Donc, c'est une association à but non lucratif, donc en quelque sorte qui a travaillé dans la promotion, l'animation et le développement touristique. Okay? Mais pour faire tout ça, puis faire animation, promotion, développement touristique, là, il fait à travers un brand. Yon mak, ki se mak Historic Haiti. Historic Haiti se mak destination, se pa mak OGDNH. OK. Donc se mak pou destination non, donc se yon fason pou ke nou rende destination plus attractif, tankou strategi de mak. Donc tankou nan ki gen mak pou produ pal yo, donc destination non a son produ, son offre touristique, donc a travè yon mak ke nou menm nan vande. Donc ki mak ke li, mak la se Historic Haiti. Mak la pa pou OGDNH. Alors, gen yon gwo diferans la, mwen men mwen fè tout tan sa ou kap, mwen sanse te nan biwa, mwen travè avèk nou plizye fwa, mwen pa vwèman te konen diferans sa vwèman. Ok, koun ya la, ou di Historic Haiti se mak la. Historique Haïti, c'est Mac Destination. Alors, Destination. Destination Nord. Alors, là, on parle de destination Nord, nous gagnons département Nord, qui gagne Cap-Haïtien et ses environnements communes qui gagnent. Ensuite, Nord-Est, Wanamet, Fort Liberté, tout ça. Donc, c'est-à-dire, c'est deux départements qui couvrent à travers Destination Nord. Donc, moins Destination Nord, on parle de Destination immédiatement, qu'on parle de Destination, on parle de Historique Haïti. Dès qu'on parle de Destination Nord ou bien Historique Haïti. Ça veut dire que il y a une différence là, vraiment. Mais qu'on y a là, on parle de OGDNH. Qui ça qui gagne en dans OGDNH? Alors, OGDNH, c'est en quelque sorte office de tourisme, donc qui a travaillé, genre, comme ça, dans l'animation, promotion, développement touristique. Donc, c'est un bureau qui est composé d'environ 10, 10 personnes, 10 personnes qui travaillent dedans. Et il y a un staff technique et puis il y a un board, un conseil d'administration. Donc, c'est en quelque sorte ça qui gagne comme structure. Donc, nous avons un conseil d'administration qui est composé de 7 membres. Donc, qui en quelque sorte définit directive en fait annuelle et plus annuelle aussi de qui côté nous voulons aller ensemble avec destination. Alors au GDNH, donc en quelque sorte nous travaillons en fait ça que nous faisons même en réalité c'est que nous travaillons sur des produits. Donc, on a parlé de produits touristiques. Et c'est-à-dire, nous préparer des flyers, nous travailler sur des circuits touristiques, nous travailler avec, en fait, dans la logique de renforcement des capacités des acteurs dans le secteur touristique. Là. On a parlé de tout acteur, parce que mission OGDNH, même en quelque sorte, c'est dynamiser, en fait, le secteur touristique pour, en fait, développement d'un tourisme durable. Okay. Alors, on ne peut pas parler de touristes sans les acteurs. Et tout acteur, ça, c'est hôtel, restaurant, et tour opérateur, artisan, en fait, tout le monde, en fait, en quelque sorte, qui est impliqué de manière directe ou indirecte dans le secteur touristique-là. Donc, nous travaillons avec tout acteur, ça, OK? Et que ce soit à travers des formations, que ce soit à travers des offres, et des bagages qu'on a développés pour eux-mêmes, et que ce soit à travers des promotions, nous faisons pour eux-mêmes, pour le monde connaît, à travers le site web que nous avons qui est disponible, tout ça. Donc, c'est bureau, en quelque sorte, qui fait coordination, ça.
OK. Bureau OGDNH qui fait genre de coordination ça. Et il y a une information qui est importante pour moi que je capable de dire, c'est que OGDNH dit même les travaille de concert avec le ministère du Tourisme. OK. C'est bien. Donc on travaille de concert avec le ministère du Tourisme à travers un protocole qui définit pour que nous disions que et alors le ministère du Tourisme c'est lui-même qui définit la, les politiques touristiques de tout pays là. Et à travers politique qui définit donc il y a une partie que c'est OGDNH en quelque sorte qui responsabilise. Surtout partie promotionnelle, développement touristique, donc c'est OGDNH en quelque sorte qui travaille sous aspect ça. Est-ce que c'est seulement pour le Nord ou bien... Oui, pour l'instant, nous avons deux départements que nous couvrons, c'est Nord et Nord-Est. Bon, Nord-Dil, destination Nord. Donc, nous ne pouvons pas aller dans la destination Sud, nous ne pouvons pas aller dans la destination Ouest. Et peut-être c'est le premier modèle OGD qui gagne tout, c'est pour nous tout ça dans le pays, c'est le premier modèle OGD. Et à tel point que gagne des démarches qui a faites pour que nous mettre d'autres OGD, que ce soit dans le Sud, ou du moins dans d'autres départements, ou dans d'autres destinations touristiques donc, qui gagnent dans le pays d'Haïti. Donc, mais c'est OGD, OGD dans le Nord, et OGDNH, c'est le premier modèle OGD qui gagne en Haïti. Ok. Et Kounia, est-ce qu'on est capable de dire nous vraiment quel type d'activité que OGDNH réalise déjà? Oui, alors, ce sont très belles questions. En termes d'activité, généralement, nous-mêmes, et OGDNH pas fait activité. OGDNH fait des activités avec les acteurs touristiques. Ok? Donc, nous là, pour appuyer, accompagner, renforcer, et tout le monde en fait qui gagne une activité touristique, qui gagne rapport avec touristes dans la destination. Ok? Il est vrai que des fois, nous qu'on organise des foires, mais foires, c'est avec des partenaires. Donc, c'est-à-dire, ou même un artisan, ben, récemment, nous avons fait une foire sur foire gastronomique, mais c'est avec des mondes en fait, qui a fait des produits et locaux que nous-mêmes nous devons mettre en avant, nous te permettre à ce que nous soyons venus exposer. Donc, à travers que ça, que nous gagnons comme financement, comme support financier, tout ça, que nous permettons à ce que nous soyons venus exposer les produits, permettre à ce que nous gagnons des vidéos promotionnelles qui sortent sous ça. Il y a une activité clé par nous-mêmes, dès qu'on dit que métier au GDNH, c'est la promotion. Okay. Nous faisons promotion pour acteurs, nous faisons promotion pour destination. L'homme parle de destination, c'est toute sa destination qui est là-dedans. Okay? Comme composante qui gagne dans la destination, c'est-à-dire que ce soit le patrimoine, que ce soit la culture, que ce soit notre gastronomie. Alors, nous connaissons que gastronomie et noire, c'est différent de toute notre gastronomie dans le pays. Donc, quelque chose que nous gagnons en termes de patrimoine matériel et immatériel, donc nous-mêmes nous faisons promotion. Donc, on dit, au GDN, c'est que de métier, donc promotion. Okay? Nous allons dans l'animation, c'est une idée pour faire plus de monde venir. C'est-à-dire, nous gagnons des dates clés, nous gagnons des fêtes clés que nous gagnons dans la destination noire. Et qui permettent à ce que et nous booster l'animation pour les gens qui ont toujours ouais, que son destination qui a bougé, touristes capables de venir, les gens capables de venir, visiteurs capables de venir dans la destination. Okay? Donc, par exemple, nous avons gagné récemment, là, pour 18 novembre, très récemment, là, donc pour 18 novembre, nous avons gagné une activité sous Vertière. Donc, l'activité, c'était un concours de puzzle que nous avons réalisé ensemble avec un partenaire que nous gagnons, nous travaillons ensemble avec CIT Pozol. Et puis, concours de Pozol, nous avons fait pour Timoun l'école. Timoun qui est l'école de 10 à 16 ans, nous avons fait d'abord Palais Sans Souci, après ça, nous avons qualifié, nous avons fait Bataille de Vertière. Okay? C'était ça comme activité que nous avons terminé avec un show culturel, tout ça. Mais c'est une idée pour que nous vraiment seulement commémorer la date et 18 novembre, là, et qui c'est vraiment une date historique pour nous-mêmes, peuple noir. Là. Alors, il y a un bail qui est important que nous avons dit, c'est que et peut-être et pour quelle raison que nous avons une destination qui est l'historique Haïti. Ok, on parle. Alors, vous connaissez que alors historique Haïti, si nous entrons vraiment dans la compréhension sigle, nous avons c'est histoire, historique. Okay. Donc, et pour quelle raison c'est historique, mais nous connaissons que le Nord, et si on a, en fait, si on a un lieu en Haïti qui a des hauts faits historiques qui déroulent là, qui a plein de personnages historiques qui vécu là, et si nous regardons tout au fait historique, ça, par exemple, nous avons gagné supplice de la route de OG Chavannes qui était faite sur place d'Am à Cap-Haïtien. Okay? C'est encore dans le Nord. Mm-hmm. Okay? La bataille de Vertière dans le Nord, la proclamation générale des esclaves dans le Nord. Et si nous regardons la signature de l'acte de l'indépendance, c'est à Fort Liberté. Yeah. C'est dans le Nord-Est encore. Donc, c'est-à-dire nous avons des faits historiques et si nous avons cité des personnages, tant que tout c'est l'ouverture, Jean-Jacques Dessalines qui fait dans le Nord, tout ça, Henri Christophe qui, je dis, a quitté un patrimoine pour nous-mêmes, qui fait partie de notre patrimoine UNESCO, patrimoine international, mondial, disons, international, patrimoine mondial de UNESCO. Mondial. Donc, nous avons ensemble de faits, nous avons ensemble de personnes et nous avons ensemble de lieux historiques. En quelque sorte, le Nord, ça que, en quelque sorte, nous avons pour nous vendre même, c'est notre histoire. C'est l'histoire.
Okay. OK. Donc tout ça c'est pour ça que au moment que tu as choisi Mac Historique Haïti, c'était des consultations, des discussions que tu as faites et puis nous dit bon, on a pris les destinations historiques Haïti. Donc si je dis à nous gombaguer que nous avons plus c'est histoire que nous gagnons, que le nord lui-même est riche en histoire. Bien entendu, nous gagnons d'autres éléments, c'est-à-dire nous gagnons des belles plages, nous gagnons des sites sur l'aspect naturel. Justement. Parce qu'il y a plusieurs façons qu'on capable vendre capable dire touriste, aspect naturel, culturel. Justement. Et puis historique. Justement. Alors, il y a une bagaille qui est important. Nous connaissons que dans la question histoire, dans la question touristique, nous connaissons qu'un pile monde néglige ça. C'est tout dans le pays, nous. Mais qu'on est là, est-ce qu'on est capable de dire, nous, qui ont des obstacles qu'on a rencontrés pour que nous capables de vendre aspect patrimoine? Alors, il y a un obstacle qui est important parce que nous-mêmes, nous, tout cas identifié, c'est que depuis que nous parlons de Haïti, il y a un seul côté, il y a Port-au-Prince. Ok. Donc depuis on parle de Haïti, c'est Port-au-Prince, c'est là focus là. Donc c'est un premier obstacle en quelque sorte que nous faire face à lui-même alors que le nom a bougé. Donc on est que gain et c'est pour ça que au GDNH le travail que l'a fait c'est vraiment pousser destination à travers promotion pour que moun yo ka pas ouais seulement l'autre côté mais au moins qu'on ait un côté en Haïti qui a bougé. Alors nous pas détacher au cap gens que moun a dit au cap Haïti, nous pas détacher au cap de Haïti, mais nous connaît que bon côté que moun yo ka vini dans destination. Ça c'est un premier obstacle nous t'es capable identifier pour question touriste en Haïti. L'autre deuxième obstacle c'est que moun yo réduit touriste c'est peut-être un comportement moun yo réduit touriste en fait à touriste international. Donc pour parler de touristes, c'est moun l'autre bord seulement, OK? Parler de tourisme même c'est moun l'autre bord, c'est pas yo négliger l'aspect touriste local. OK? Donc c'est pour ça que nous-mêmes dans OGD nous vraiment à travailler pour nous à stimuler pour que moun yo capable venir des touristes encourager moun que ce soit dans des imagine que gen moun qui a vivre au Cap, gen c'est de city pas connait. So, c'est des trucs c'est pour nous-mêmes c'est que c'est son entourage qui peut venir qui peut reconnaître ça lui-même son monde qui peut sortir à l'étranger qui peut reconnaître ça c'est pas lui-même qui là. OK, donc c'est pour ça que c'est des travail que nous-mêmes avons fait au sein de l'OGD pour nous permettre à ce que le public là non seulement des jeunes OK élèves l'école et d'autres personnes puissent capable non seulement visiter et situer etc. Nous avons d'autres obstacles tout c'est des obstacles infrastructurels et bon, ça nous a dit, nous avons des destinations qui ont plus de problèmes. Et peut-être que ce n'est pas raison pour nous faire chaud, ça, pour nous parler de problèmes qui ont des destinations, peut-être nous avons l'autre chose. Non, l'important pour que nous connaissions l'obstacle. Parce que il y en a pas que je ne peux pas les gens penser, je ne peux pas les gens prendre, depuis que nous tout, oui, si tout va bien. Qui te dit comme ça que, par exemple, si toutefois on fait tourisme ou aller en Afrique, c'est normal pour que vous jouiez presque même obstacle que vous avez en Haïti. Yeah. C'est que l'existe. Tout ça qui a un rapport avec l'infrastructure, il existe. Et c'est si une barrière qui est important, c'est pas garder partie ça. OK? Mais c'est essayer. Bon, nous-mêmes qui avons gardé là, c'est très important. Essayer, commencer, venir visiter, commencer, faire valeur, koto soti ya. Bay moun qui pa konnen koto soti ya, espace pour capable de venir tout. Parce que, qui t'aime nous sincèrement, il y a plein de monde qui ne connaît pas que les yo invité un monde venir visiter pays a c'est plus économie pays a fait vous comprenez. Ça veut dire si toutefois on a regardé négatif yo aspect tout ça pas jamais évolué. Oui, alors ça c'est tellement important parce que dans le temps bon, on a parlé de nord, le nord d'Haïti c'était la capitale historique et touristique d'Haïti et c'est parce que tu gagné vraiment une offre touristique qui t'a vendu qui était disponible pour touristes en quelque sorte. Et j'en dis là effectivement problème infrastructurel en pile, il y a une question de déchets à fin avec nous dans la destination. Et il y a un mot problème qui gagne c'est que jodia 21e siècle en Haïti nous pouvons construire des déchets modernes. Okay. Et cela c'est pas seulement pour le Cap. Pas seulement pour le Nord, bien entendu, c'est dans tout le pays. Bien entendu, il y a des projets qui là pour construction des sites de décharge, etc. Mais jusqu'à présent, qui peut pas atterrir. Et ça fait aujourd'hui, un touriste a venu, pas bon. Par contre, un touriste a pu tourner si vous déchets à Cap ici. Et nous avons plus le fond au GD, nous avons plus de réunions avec les autorités locales. Tout le pays a un fatra. Pas qu'un pays dans le monde n'a pas un fatra. Sauf que le touriste est venu, il n'a pas un fatra. Il y a un côté que la passe ensemble avec tout ça, c'est pour ça que nous créons des circuits.
n'a pas des circuits touristiques, c'est-à-dire que mon nan gen côté nous font ensemble avec même si en dedans gen fadra peut-être qu'on a pas ouais. Est-ce que vous comprenez bien ça? C'est après ça que nous avons essayé nous juste essayer de contourner problème ça pour que au moins nous ca plus ou moins et vendre côté positif en quelque sorte mais nous connaît que problème yo en pile. Alors on va arrêter seulement sur obstacle maintenant qui bien fait au GDNH et historique Haïti porté dans communauté. Alors nous avons ouais plusieurs aspects dans bien fait et d'abord nous permettre à ce que nous connaissons que il y a une offre touristique qui est disponible en Haïti dans okay. Dans destination non. Il y a une offre touristique qui est capable dire c'est une offre unique. Donc venir à Cap Haïtien c'est une offre touristique unique, c'est une expérience unique que on vit. Donc on va vivre nulle part d'ailleurs donc déjà et ensuite nous gagnons l'autre aspect côté que nous sommes vraiment là pour accompagner pour assister acteurs touristiques yo. OK et permettre à ce que yo même yo gagne suffisamment de capacité OK et permettre à ce que yo gagne niveau standard yo off standard à travers service que yo gagne, que ce soit hôtelier que ce soit restaurateur que ce soit les tour opérateurs tout. OK. Et alors encore c'est permettre à ce que site nous yo patrimoine nous yo bien géré et yo capable gagner plus de diffus yo même. Et nous gros exemple clair ensemble avec Fort Saint-Joseph côté c'est OGD qui a fait gestion Fort Saint-Joseph. OK. Donc bien faire encore nous capable dire c'est permettre à ce que tout ça faut expérience unique genre que nous dit tout à l'heure mais tout permettre à ce que nous gon destination qui est plus attractif. OK. Bon, si on a défini comme ça, donc si on n'est pas trop long. Alors, peut-être on va rentrer dans tout détail, mais. Voilà, pas un problème. Est-ce qu'on est capable, public là, trois raisons pour être capable de venir visiter la destination? Le Nord, c'est une destination unique. Donc, destination Nord, c'est une destination unique qui gagne une offre touristique unique. Donc, qui a permis à ce qu'on fasse une expérience unique. Il retourne moi ce que je dis, même pas, il n'y a pas de problème, donc qui aime ça. Non, mais c'est réseau ça. Donc, alors, nous avons des sites uniques. Donc, si nous avons un citadel, c'est un site unique que nous avons. Donc, nous avons pas seulement un citadel, nous avons des pétroglyphes à Sainte-Suzanne, nous avons des belles plages. Bon, bien entendu, en tant qu'un pays tropical, donc nous avons des plages qui sont disponibles. Et nous avons aussi une expérience gastronomique. Quoi faire c'est dans notre mois fait expérience à haut donc il y a plein de choses nous gagnons vertière que moi-même m'relais la place de la liberté je dis à sous moi sous le senti libre c'est vertière pour venir bien entendu quand le travail vous faites vertière à peine d'avoir dit ça c'est pas comme ça vous faire mon invitation non bien entendu quand le travail qui vous faites encore vertière mais c'est en place pour peut-être diaspora qui est impliqué et tout diaspora qui est impliqué dans le développement et site touristique nouveau Avertir, etc. Donc, pour qui ça que vous-même vous sentez fier en tant que noir aujourd'hui, et c'est Avertir qui faut gagner fierté ça. Alors, dans le plus gros plaisir que nous gagnons, c'est rester connecté avec vous. Moi-même, moi tellement fier parce que moi, c'est un haïtien, son bagage grave. Et fierté me sorti dans la bataille de Avertir. Qui t'a dit aujourd'hui, c'est une chose spéciale. Pendant le spécial là, on a pris un petit temps pour nous découvrir. Bureau au GDNH avec qui sont faits et qui VP. Let's go! We'll be right back.
Merci pour fidélité ou. Merci pour patience ou. Merci parce qu'on découvre Biwo ça. Et qui te me dit que je dis à c'est OGDNH demain est capable ou même. Est-ce qu'on capable dire nous qui sommes capables de visiter Biwo? Est-ce que c'est un bureau pour payer parce que me connais son bar touriste? Est-ce que c'est payé pour payer pour rentrer là-dedans? Et qui ça le gagne là-dedans comme capable dire comme structure? OK, alors visiter bureau OGDNH c'est bien qui facile. C'est bien qui plus facile à faire comme expérience. Parce que Biwa ou pas payé pour visiter. Okay? Okay. Biwa trouvé dans le 18F. Et tout coule avec la cathédrale là. Donc il est très accessible à quel que soit le groupe. Moun nan. Et ou capable de venir ou visiter. Et ou avez besoin de monde qui pousse vous. Donc pour avoir des informations, même si vous êtes étranger, vous avez besoin des informations disponibles. Il y a des pamphlets qui sont disponibles pour information. Et moun ki la capable orienter dans tout ça qu'on besoin comme information, besoin de transport, hôtel, etc. Et il y a d'autres aussi d'autres façons que vous là et entrer en contact ensemble avec nous avec le bureau. Nous avons un site web historique Haïti que vous même capable si, visiter site web nous avons des pages et des pages sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram et Facebook nous disponibles sur réseau. Alors il y a une information qui est importante pour que nous connaissons c'est que et actuellement on travaille sur une application mobile que n'a lancé et une application mobile qui a permettre à ce que ou depuis côté quel que soit côté dans monde là au cap télécharger historique l'application historique Haïti et qui a permettre ou gétant faire toute préparation pour venir en destination là. Attends application appelée historique Haïti ou GDNH application appelée historique Haïti application c'est pour destination la fête et pas pour bureau. Good job. Qui ça que l'a bien comme contenu en dedans? Alors application a bien toute information essentiel pour un touriste au monde qui a venu visiter destination. La bien information sur les hôtels, la bien information sur les restaurants, la bien information sur les patrimoines. Alors c'est des informations vraiment pratiques mais qui permettent à ce que orienter touriste. Donc je dis on a bien accès sous je dis besoin qu'on ait côté tel hôtel trouvé sur application la orienter la dicto la guide ou puis maintenant on a besoin qu'on monte on guide quelqu'un qui voit avec vous. Donc c'est ça que a bien comme vraiment détail dans l'application. La bien des informations pratiques. Si je dis qu'on te fait mal, on a besoin d'un comprimé. Donc, on a besoin de côté pour capable de comprimer ça. Et là, il y a des services, en quelque sorte, si par exemple, ou dans l'hôtel, ou besoin acheter un bagage quelconque ou pas qu'à jeune, ou capable de une sorte de démarcheur, un déménageur, ou comme des panneaux, une sorte de dépanneur qui va permettre à ce que ou joigne ça qu'on a besoin. Okay? Tout ça, c'est des fonctionnalités qu'on trouve dans l'application historique Haïti qui a lancé. Ça est intéressant, ça est intéressant. Ça veut dire que et il probable pour nous commencer start si toutefois on par exemple tu c'est une question de obéit un exemple, right? Yeah, yeah. On est capable de faire livraison pour ouais, justement, jouer, justement, l'application qui accès faire commande chez ta côté faire livraison pour et n'a bien accès à restaurant ou tout. Pour quelle option pour mon faire livraison, choisir menu, choisir plat, etc. Donc, c'est une application qui a vraiment poussé, qui a permis en quelque sorte de nous faciliter la vie touristique en Haïti, donc pour visiteurs là. Alors, good job, compliment, ok, nous pas un mot, nous pas un mot, et qui sont fait et qui VIP, c'est ça que nous-mêmes nous voulons vendre. Tout le monde qui a fait un bagage qui est intéressant, ok, et c'est une raison nous connaissons où ici, nous mettons chaud que. Ou c'est le deuxième monde nous recevoir dans le show. Qui soit fait. Et ça fait nous plaisir. Ok? Est-ce que vous avez possibilité tout pour gagner l'autre jeune, si toutefois vous avez envie de gagner un emploi, en un bureau, est-ce que vous avez possibilité ça? Alors, nous avons une politique que nous développons au sein de l'OGD, c'est que nous permettons à ce que des jeunes et réaliser des stages. Alors, une information qui est, c'est que nous travaillons avec des projets, et à travers des bailleurs qui financent des projets que nous gagnons. Et à chaque fois que nous avons des formes de projets, c'est que nous avons besoin en termes de ressources humaines qui définit nos projets. Donc, si que nous avons un projet sur 5 années, donc si que nous avons une définition de ressources humaines en termes de besoin en ressources humaines qui ont des 15 employés, donc ça a déjà défini. Okay? C'est-à-dire qu'il est difficile pour qu'on monte entrer en cours de projet, à moins que qu'on un cas exceptionnel, un déplacement et quelque chose. Okay? Mais et ça que nous développons, nous permet d'assurer des jeunes, effectuer des stages okay? De 3 jusqu'à 6 mois même. OK pour que non seulement yo habitué c'est des jeunes qui fait faculté puis habitué avec le marché de l'emploi ça y est travail donc nous permettre à ce que jeunes ça postuler alors nous faut processus nous faisons nous postuler pour passer entrevue donc c'est juste pour gain training là habitué avec faire processus et recrutement
OK, je passe entrevue et puis permettre à ce qu'ils intègrent. Alors stage ça c'est des stages vraiment spécifiques sur des missions spécifiques et moi je suis capable de témoigner ça comme monde qui t'a fait stage dans le bureau. Donc c'est à travers ça que nous besoin collecter comme information, comme données et qui ça nous gain comme travail que nous besoin développer. Par exemple nous gain un stage qui vraiment défini sur un off touristique spécial, sur citadelle, sur des mises en touriste citadelle. Yes. Là ça étudiant pour venir avec des idées nouvelles parce que nous connaissons jeune beaucoup d'idées. Me songe moi ma pas dans cette information sur hôtel il y a l'école, il y a on mise à jour sous date sous question chambre hôtel qui t'ai gagné, quantité hôtel qui t'ai gagné dans destination. Me songe moi ça. Alors moi ça c'est témoin que n'a font bel travail et pas gain à sortir de là et qu'on y a là, dis-nous non. Me connaissez directeur quoi quand même gain en vision. OK, et gain en vision. Et vision en 5 à 10 ans. Ben mettez le sur 20 ans. Qui côté nous ouais. Historique Haïti. Alors et OGDNH. Alors, alors sont très belles questions parce que nous connaissons une bagaille qui est important pour OGDNH actuellement à travailler sur l'emploi, c'est pérennité OGDNH. Là on parle de pérennité, c'est que jodi a nous gagnons association à but non lucratif qui a fonctionné grâce à des financements des bailleurs externes. Okay. Donc c'est des bailleurs pour la Banque mondiale à travers des projets que gain et puis il a financé tout ça que nous mêmes nous gain comme activité permettre à ce que nous en quelque sorte subsister. Et travail qu'on a fait actuellement là c'est garder pour ainsi que nous aller vers une autonomie pour que nous gain autonomie et puis pour que travail ça qui commence aujourd'hui hein, sur la promotion l'animation le développement touristique capable toujours été dans 10, 15, 20 années qui va venir là. Et ça, c'est une réflexion que je dis à nous invitons tout le monde, là-dedans. Pas seulement au GD qui peut réfléchir, parce que il y en a un qui est important. Vous te posez une question, ça, c'est une question obstacle là. Et il y en a un qui que nous avons comme obstacle au sein de l'OGD, c'est que, en quelque sorte, manquer gain une sorte d'imprégnation de l'État, du secteur public, ou du moins du secteur privé, de OGD, de ça au gain là, comme richesse, comme ressource. Est-ce que je ne peux pas dire que je ne comprends pas? Mais peut-être que je manque vraiment entrer là-dedans. Je manque de valeur, je manque de valoriser. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Peut-être moi-même que je m'ignore. Vous comprenez? Okay. Mais ça que nous avons là comme ressources, comme richesse, si je n'ai pas vraiment manqué et comprendre, bon, pas qu'à dire comprendre, manqué imprégner, et pour que nous capables vraiment gagner et un OGD qui pérenne, en quelque sorte qui pérenne. Parce que ça, son stratégie dans des grands pays, que ce soit en France, il y a des OGD. Et généralement, OGD, ça, c'est collectivité. C'est collectivité à qui finance qui fait fonctionner parce que connaît travail yo connaît valeur au GDSA. Mais en Haïti c'est différent. Moi connais nous existait depuis 2013. Qui genre nous ouais évolution sur ces faces là. Ouais. Alors c'est une très belle question parce que grâce à au GD je dis hein, il y a un paquet de bagages que nous dit capable dit focus touristique qui gagne dans nord c'est grâce à au GD je dis hein. Il y a un paquet de bagages que nous faisons récemment, il y a un film qui était tourné à Cap-Haïtien. Peut-être que tu es présent, laisse ta fête, mais c'était où? Tu es acteur même, faut dire ça. C'est vrai, alors c'est un gros acteur qui l'a. Et Chen Wedding? Yeah, et Chen Wedding était tourné à Cap-Haïtien. C'est démarche au GDNH aussi, donc qui te permet à ce que tout ça soit fait. C'est parce qu'il y a un travail de promotion qui a fait. Nous sommes Cap-Haïtien. Et puis c'est moi qui t'ai fait casser. Ça va aller. Donc nous sommes Cap-Haïtien, nous connaissons Cap-Haïtien, qui permet à ce que aujourd'hui a focus ça. Donc le travail que j'ai fait, c'est pour le travail qui est en vain, en quelque sorte. Donc nous sommes capables de dire de 2013 à 2023, je dis à 10 ans après, nous sommes capables de considérer que y a un paquet d'évolution qui est fait dans le secteur touristique. Là. Au Cap, nous avons plus le focus. Certes, il y a d'autres problèmes dans d'autres zones qui permettent que focus ça, mais nous ne pouvons pas négliger le travail au GDNH à travers la promotion, vraiment, vraiment promotion sur tout ça que nous gagnons comme, comme élément qui compose la destination, qui permet à ce que je dis à nous gagnons ça que nous gagnons. Alors, voilà, moment tellement fort, moi, je n'ai pas envie de tout aller parce que qui me dit chaque monde qui a écouté nous, qui a regardé nous, et je suis à bras le fini. Je suis à bras le fini. M'a dit monsieur Valérie compliment pour presque tout ça que l'a aidé au GDNH accompli parce que c'est toutefois que n'a gardé objectif principal au GDNH nous capable remarquer gon bagaille de bien et gon bagaille qui senti bon là-dedans en pile touriste en pile monde vienne visiter et yon a bagaille que m'a conseillé nous
depuis mon a pilété au cap depuis mon a descend n'importe bat pour nous faire passer dans bureau. Alors ça sont alors nous résoudre problème ça là avec à travers application que n'a lancé. OK, application mobile là permet non seulement d'être disponible n'importe là avec des QR code que mon a télécharger n'importe là si pas être fait depuis à l'étranger et n'a gain tout des pour parler avec des avions des qui gain vol sur cap haïtien que ce soit Spirit ou bien Sunrise pour capable gagner des cartes qui disponibles avec QR code application mobile côté monde pendant chita en avion et qu'à tout télécharger application même côté la descendant en quelque sorte il pas besoin passer dans bureau parce que la gagne toute information mais si vous voulez passer dans bureau parce que nous gagne des produits qui disponibles dans bureau tout donc une boutique qui gagne des produits locaux dans bureau il qu'à toujours passer acheter. Oh bon, là nous va parler de ça. Ça oui, c'est une façon pour une façon pour capable vendre jeune tout ouais. Justement c'est ce espace qui est disponible pour que nous mettions des produits locaux en valeur à monde qui a fait production locale que ce soit cassave que ce soit sirop miel que ce soit l'huile mascriti que ce soit des habits tout locaux donc tout ça en fait que vous-même en tant qu'entrepreneur jeune entrepreneur dans ville capable à faire donc nous gros espace nous mettez disponible pour un coin boutique pour monde ça alors nous ils vont grand espace pour dire son store quand ils mon a venu ils joignent tout bagage c'est-à-dire il y a des échantillons qui disponibles mais nous même nous gagne un stock et mon a capacité acheter dans bureau au GDNH donc ça veut dire toujours venir dans bureau et mais application pour toute information pratique qui pourra être disponible donc sous peu on quitte cause des prendre parole oui ou bail pour 5 à 20 ans ou bail pour toute jeune OK et qu'on est là j'aime toujours dire là chôme toujours finir en façon très différent là que nous poser question ça. C'est dans l'idée pour capable supporter un monde qui n'a besoin pour capable supporter un projet. Dernier choix c'était monsieur Guy PDG KVP Media Studio. Monsieur était bah 20 maximum. Et n'après vidéo 20 maximum ça semaine ça côté il a pour joindre canal Quadrament. Nous gars avec nous Valérie Tassi. Monsieur Valérie, est-ce qu'on parle pour question pour là? Bon oui, c'est pas une question. Ok, okay. Question ça, qui te dit nous Rosa, que question ça, c'est une question cap simple, ok? C'est une question cap simple et il va trop dur. Mais avant, si vous n'avez pas répondu à une question, vous avez 10 secondes, ok? Pour relayer au monde. Vous avez bon accès pour prendre un téléphone ou vous avez 10 secondes pour relayer au monde. 10 secondes là, pendant la composer numéro la contrôler tout. Non. Appel là 10 secondes ou les moun là, si moun n'a pas gagné un bon réponse dans 10 secondes, ay ça nous même nous mando là. Pas besoin, c'est non. En tout cas, c'est Valérie. Est-ce qu'on capable dire non? Qui bateau? Comment est le bateau qui t'est transporté tout Saint l'ouverture? Bateau qui était transporté tout ça, hein, c'était. Waouh! Waouh! Bon, bah oui, c'est téléphone. Bon, monsieur, il est monsieur Lubin. Monsieur, il faut que l'on monte dans 10 secondes. Monsieur Lubin, qui cabane ça rapide? Monsieur, il faut que l'on monte dans 10 secondes. 10 secondes, ça a marché. Après, il y en a un grand qui c'est monsieur Lubin. Qui a évolué dans la question touristique et historique. Je ne fais pas jeûner, non. Oh. Monsieur Lubin, excusez-moi. Parce que monsieur Lubin, et non, chaud là. Non, excusez, monsieur Lubin. Excusez, non, chaud là, opposez-moi une question, c'est le cas décollé. Monsieur Lubin, vous entendez? Oui, vous entendez. Oui, non, chaud là, opposez-moi une question, c'est le cas décollé. Bateau qui te transporte tous ces ouvertures là. Pour aller fort de jour, qui j'en bateau ça relé? Ah, oh! Et get, m'bli, oui? Oh là là! Merci en plus! Monsieur Lui, m'a retourné relou! Voilà! Désolé! Oui, là, oui! M'a retourné relou, monsieur Lui! Désolé! Alors, qui t'aime dire donc que. Là, mon appel volé dans question touriste, nous sommes censés connecter avec lui. Et pour question touriste, et je dis à c'est monsieur Valérie malheureusement qui pas répondre question et bateau à c'est wow. Et il y en a pas qui important c'est que nous connecter avec vous et nous connecter avec vous pour capable
faire découvrir plus de monde toujours. Je dis à notre gars avec nous, M. Tarsi Valéry, directeur au GDNH. Il y a un paquet de monde avec lui qui parle à je dis à. Mais il y a un bagay qui est très clair avec Historique Haïti et au GDNH, on est capable de plus vite découvrir question touriste, question histoire, surtout dans le nord et le nord-est. Eh bien, je dis à, c'est tout pas. Vous va répondre à une question. Hein? Ou bien pour capable payer pour scolarité pour un petit monde en Haïti. Na voye ti moun sa nan biwou la. Na voye ti moun sa nan biwou la. E le ti moun sa arrive nan biwou la. E wap gen pou kapap fè tout sa grapo avèk sko. Mba ve jen konen ki l'ekol. Sauf ke na pre ti moun nan. E se sou internet la na wap chèche ti moun nan ki gen bejwen ki nan nesesite. Nou pa gen problem avèk sa pou ke nou kapap supporte ti moun sa yo. E na pre te konekte avèk ou pou kapap fò dekouvri plus entrepreneur, artist, artisan sou platform sa ki se ki sa ou fè. Je di a avan ke mwen fini chou a M. Valéry. Di nou non, ki sa ou fè? Na fè touris. Na fè touris, voilà. Alors... Merci en pile. OK. Vous c'est un grand frère aussi. Et avec population, on est capable parler avec le public là. Parler avec eux. Dis un dernier parole. Bon, d'abord merci David pour l'invitation ça tout aujourd'hui parce que ça fait déjà pratiquement un an à deux ans nous déguer pour nous dépasser dans le show qui sont fait depuis Haïti. Malheureusement, et ça va déjà me fait. Et je dis à me content pour que nous capable dans le show et pour nous faire parler ça sur question touriste dans la destination nord. Et c'est un grand plaisir pour moi, Jean, que vous avancez avec le show. Donc ça fait vraiment plaisir, concept là. Et façon que vous avancez avec le concept là, qu'on mette l'humeur sur les entrepreneurs et sur tout ça qu'on fait dans la communauté noire, dans la communauté haïtienne. Et je dis à moi, Jean, que je me dis, c'est que tourisme pas qu'on fait de manière isolée. Et je dis à nous besoin d'implication de tout le monde. Que ce soit la diaspora, qui est important aujourd'hui, qui porte un peu le tourisme pour nous à travers les activités, à travers les tours opérateurs. Que ce soit l'autre monde tout qui l'autre acteur qui est en Haïti. Et que ce soit l'État, que ce soit membre du secteur privé, nous besoin tout le monde ça va mettre ensemble pour que nous construisions une offre touristique vraiment forte. Je dis à nos gros opportunités, c'est unique ville. Unique destination dans le pays qui gagne toutes composantes touristiques, qui gagne toutes composantes. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire plus de bagages, nous sommes capables de faire une destination qui est très riche, mais je veux dire, nous mettons ensemble pour nous faire tourisme. C'est ça que je dis seulement. Merci. Vous pouvez avoir un numéro de téléphone, ou vous pouvez avoir un site internet, yo. Ok? Vous avez un numéro de téléphone que si toutefois vous avez envie de contacter. Au GDNH, Historique Haïti, que vous êtes capable de faire. Alors, gen site web nou, historiquehaiti.com. Donc ou sur n'importe page ou monter ou taper historiquehaiti ou abonné. Nous gen compte Facebook nou, historiquehaiti. Nous gen Instagram historiquehaiti et puis nous gen numéro téléphone que pas gen de tête. je crois que c'est 28 17 35 55 si je me trompe pas. À vérifier pour vous. On allait. Ah ouais, c'est qu'on a vos réponses là pour moi, le héros. Voilà. Non, moi, je te connais, je crois. On allait. Nous allons venir coller, mon là, ok? Nous venons aider, mon là. On allait. Je n'y avons, hein? C'est lui-même ça? Yeah, c'est 28, 17, 35, 55. Voilà. Bon, j'avais bien dit. De bien dit. Donc, c'est 28, 17, 35, 55. Donc, nous sommes capables d'écrire ce numéro ça. Et numéro à gonvo, les WhatsApp aussi. Et puis. Si toutefois en Haïti, vous pouvez toujours passer dans le bureau, acheter. Et puis, si vous avez d'autres informations pratiques, vous avez besoin de tout dans le bureau, même que toutes les informations sont disponibles sur l'application mobile qui a lancé sous peu. Et donc, mais toujours venir dans le bureau. Nous disponibles tout pour nous recevoir sur un projet qui a un aspect touristique sur Haïti. Et nous sommes capables de discuter, nous sommes capables de voir ensemble avec vous, que ce soit au niveau moi-même qui est dans la diaspora ou une activité qu'on a même fait à Haïti et qui une activité culturelle quelconque ou capable toujours passer dans le bureau et nous disponibles pour nous discuter pour nous et qui gens que nous accompagnons pour capable vraiment mettre en contact avec les acteurs qui sont disponibles sur place et puis pour que l'activité ça lui-même les capable faite et gens que vous-même vous souhaitez là. Merci un pile frère, merci un pile à toute staff technique là.
nous pas gagne mot. Merci en pile avec les gars Cifrographie. Merci en pile avec KVP Media Studio qui permet chose ça possible dans studio KVP. Merci Choukoun qui permet moi depuis me fin faire show à moi kagil. Merci Historique Haïti qui toujours a supporté chaque grand touriste depuis me gain touriste là Historique Haïti dit well pour moi. Merci pour sponsor que n'a pas nous pour show ça possible. Connectez avec nous ou même qui a envie supporter chose ça. Connectez avec nous. Nous content pour te recevoir Valérie Tassi. Au GDNH, dans le show qui sort fait depuis les États-Unis. Eh bien, merci un peu, frère. Je vous remercie parce que vous êtes déplacé pour venir là. Merci, David. Nous parlons fini. Un dernier conseil pour les jeunes. Écoute, je suis capable de dire que, ou même qui jeune aujourd'hui, c'est que vous avez réalisé un peu le bagaille. Donc, vous avez besoin de plus de discipline, vous avez besoin pour appliquer et mettre plus de principes et puis rester persévérant. Et était avec beaucoup de consistance dans ça qu'on fait, pas découragé. Et je dis à nous connaître qu'on a traversé un moment difficile avec Haïti, donc tout ça qui vient comme difficulté. Mais ou même et en tant que jeune, faut toujours avoir des objectifs bien spécifiques, bien fixés, qui contrôlent l'aller. Un monde qui n'a pas d'objectif, il va pas aller nulle part. Donc je dis à partir de jeudi à même, commencer à fixer des objectifs. Il y a des objectifs simples. Apprendre l'anglais par exemple, donc c'est objectif. Donc il y a n'importe quel autre bagaille, mais fixer des objectifs, et puis objectif ça va demander des accompagnements, va demander des actions. Donc c'est pas fixer objectif ça va arrêter chez toi, mais il faut qu'il y ait des actions qui accompagnent pour que jodian et ou capable d'accomplir un peu le bagaille. Donc nous croyons dans la jeunesse, et donc nous souhaitons tout le monde bon succès, bon courage dans la route là, et puis on va avancer. Depuis qui sont faits recevoir invité à et invité à fin bal conseil, nous même nous avons une grande question pour nous poser. Qui vit puis? Qui sort fait? Te connecté avec vous. Encore une fois, nous vous merci. Pendant pour aller, nous avons une grande question que nous posons. Qui sort fait?